officier. Qui est là? Aidez-nous, hein. Doucement. S'il te plaît, vas-y, ça va aller. Doucement. Qui est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Venez nous aider, oh. Aidez-nous, s'il te plaît. Calme-toi, ça va aller, hein. Aidez-nous, madame, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui lui est arrivé? En fait, elle a eu un accident. Et le chauffeur s'est enfui. Je l'avais dit. Je le savais. Oh, mon Dieu. Pourquoi lorsqu'on a une chose de valeur dans cette maison, tu n'es toujours pas contente? Madame, toutes ces choses que vous dites en ce moment n'est pas important. Nous l'avons ramené ici afin que vous puissiez l'emmener à l'hôpital. Ok, ok. C'est pas important pour vous, c'est important pour moi. Mais pourquoi dites-vous ça, non? C'est que je vous dis là, c'est très important. C'est très important, je vous dis. Mais dis-moi, n'est-elle pas ta sœur, celle-là? C'est ma sœur. Qui est ta sœur? Mais madame, qu'est-ce qui se passe ici? Papa. Qu'est-ce qu'il y a papa. Eu? Papa. En fait, elle a eu un accident. Papa. Quoi? Un accident? Mais le chauffeur s'est enfoui. Ok, ok. Maintenant, comment est-ce que vous avez fait? Okay. Oh, Seigneur. Doucement. Mais, en tout cas, monsieur. Venez, venez m'aider. Viens, viens m'aider. Mais je t'appelle, viens ici, non? Ne vois-tu pas ta sœur? La situation est très délicate. Viens m'aider, non? Mais tu es comment? Je te fais appel, non? Mais venez m'aider. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, venez m'aider, s'il vous plaît. Ça va aller. Elle ah, mon Seigneur. Vas-y, félicitations. Mais qu'est-ce qu'il y a? Allons vite. Ça va aller. Ça va aller, calme-toi. C'est comme ça. Tu ne vas pas changer. Nous sommes déjà habitués. Tu veux seulement qu'on dépense l'argent. Je t'avais dit. Tu vois, je t'avais déjà dit. Ton visa là, tu ne l'auras même pas. À cause de cette fille. Elle a encore trouvé une rubrique. Pour faire sortir l'argent. Paul, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un tel acte de méchanceté. Ah non, j'ai jamais vu. Sérieux, mon cher, elle a été maltraitée comme si elle était ramenée tout droit de la forêt. Je n'arrive toujours pas d'imaginer ce qui s'est passé dans la maison de M. Tudoké aujourd'hui. Comment? Pourquoi est-ce qu'il la traite aussi méchamment, hein? C'est vraiment de trop. Que Dieu nous épargne. Et Boubé? Depuis très longtemps, je me suis toujours méfié de ces gens. Que Dieu nous épargne du pire. Je n'avais jamais cru que cela était aussi vrai. Aujourd'hui, j'en ai été témoin. Non mais sérieusement, pourquoi est-ce qu'ils la haïssent tous jusqu'à ce point? Mec, je ne comprends vraiment rien. David, es-tu absolument sûr, mon gars, que ces gens sont les membres de sa famille? C'est la même question que je n'arrête pas de me poser à moi-même. À chaque instant que je le vois agir ainsi, c'est... Mais tous les gens de ce village n'arrêtent pas de dire que... Elle est bel et bien leur sœur biologique ainsi que leur fille. Donc, je ne comprends vraiment rien. Je te dis. Ça, c'était de la pure méchanceté. C'est ça. Leur maltraitement est de trop sur elle. Ils traitent cette fille, on dirait une paria. Une ordure. Ha! J'aimerais vraiment pas être à sa place. Ils la traitent vraiment comme une paria. Je ne comprends vraiment pas comment quelqu'un peut traiter sa sœur biologique de la sorte. Je ne comprends sincèrement plus où va le monde. Il n'y a que son père qui... Mais comment tu peux être si méchante envers ta fille biologique? Tu l'as sacrifiée de la même manière que moi si j'avais sacrifié une autre. Ah, comment tu peux? N'écoute pas, mon amour. J'ai arrêté de l'appeler ma fille depuis le jour où j'ai découvert qui elle était. En tout cas, tu t'aventuries. Ta propre fille biologique a eu un accident depuis le matin. Depuis le matin, hein? Et tu ne t'en occupes pas. Voir te charger de venir ici et trouver une solution. Solution quoi? Trouveur de solution. Quelle solution que tu veux que je lui donne? Suis-je son docteur? Hein? Quand est-ce que je suis allé faire le test de santé pour donner la solution à un pied fracturé? Ça, ce n'est pas mon problème. Cette solution dont tu parles, je crois que ce n'est pas un moyen pour toi de me demander de l'argent pour son traitement. Tu crois, Joe? Je ne sortirai aucun de mes billets, même pas un franc, pour les traitements de cette fille. Hein? Ha! Parce que ce problème-là ne me concerne pas, oh. Et j'espère que ce n'est pas ce à quoi je pense, oh. Je crois que ce n'est pas l'argent de ces terrains vendus que tu veux utiliser, oh. C'est l'argent pour le voyage de mon fils, oh. Hey! N'ose pas mettre ta main dessus, oh. N'ose même pas les toucher si tu n'as pas d'argent pour traiter ta maudite fille.
Laisse-la mourir, oh. Bon, mais ne cherche pas de problème. Comment tu peux rester accroché à elle pendant que sa communauté d'origine les réclame? Tu n'as qu'à la laisser habiter dans la forêt interdite. C'est une paria. Il ose venir me demander quelle solution que tu as. Comme qui? Son docteur, non? Depuis quand je suis devenu un corps médical? Laisse-la mourir et rejoindre sa famille. Comment une situation comme ceci peut être une présomption? Comment est-ce possible? Notre numéro. Pendant que moi je suis à la cuisine. Imaginaire, en train de jouer. Je suis désolée, maman. Je n'arrive pas à marcher convenablement. C'est pour cette raison que je m'amusais un peu pour faire passer l'air. Tchai. Tchai. Il n'y a pas de nourriture pour des paresseux. Pas de nourriture pour des paresseux. Si tu ne travailles pas, dans cette maison, tu ne mangeras pas. Le mieux pour toi serait de t'acquitter de toutes tes tâches ménagères. Sinon, il n'y aura rien pour toi. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, maman. Avec des gros mots français pour justifier ta paresse. Regarde-la. N'importe quoi. Uchechi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il y a quelqu'un qui t'a frappé? Pourquoi tu pleures? Je ne veux pas entendre mon nom ni le nom de mes enfants sortir dans ta sale bouche. Hein? Femme! Retire tes paroles! Ma fille ne l'est pas! J'étais déjà interdit de m'identifier dans la vie de cette chose. Elle est ta fille. Elle n'est pas notre fille. Ah, Okeji, notre fille n'est pas ce que tu crois! Bien, Biko. Biko, écoute, tu sais que je suis accro à la WWE. Je ne veux pas que les choses se tournent dans une situation où les gens diront que je ne respecte pas mon mari. Sinon, je dirais tout simplement que ta tête ne tourne plus. Si je ne te respectais pas, je dirais que tu es un fou à cause de ces bêtises que tu viens de balancer.
Je n'aime pas ça. Hey, je n'aime pas ça. Paria. Arrête avec ces bêtises. J'en ai assez. Laisse-moi tranquille. Oh. Regarde, calme-toi. Ça va passer, s'il te plaît. Calme-toi, calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît. Ah oui, doucement, doucement. Calme-toi. Ça fait très mal. Mon Dieu. Bébé, tu dois vraiment contrôler ta colère. C'est très énorme. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'elle est énorme là avec ma colère? Je te posais une question, qu'est-ce qu'elle est de si grave avec ma colère? Tu ne fais que me frustrer tout le temps et tu me dis de ne pas agir. Je n'arrive pas à comprendre c'est quoi. Tu sais ce que cette fille m'a fait? Tu sais ce que cet homme qui s'appelle mon père l'a eu à me faire dans ma vie, hein? Et comment tu veux que je me calme? Ces gens dont tu parles sont ta famille. S'il te plaît. Bébé, c'est ta famille. Ton père et ta sœur. Alors qu'est-ce que tu ne peux pas oublier? D'après tout, la vie de ta sœur est très importante que ton... Dis-moi, est-ce que tu peux juste te taire? Non, la vie de ma sœur est plus importante que quoi? Non, dis-moi, la vie de ma sœur est plus importante que quoi? Finis ta phrase là. Va jusqu'à la fin. Que la vie de ma sœur, une barrière, est plus importante que poursuivre mon avenir? Une barrière. C'est ce que tu veux dire? C'est de ça que tu parles? Non, explique-moi un peu bien. La vie de cette barrière est plus importante que notre futur. C'est ce que tu veux dire? Non, c'est vraiment ce que tu me dis. Notre futur. Hein? Hein? Je sais pas pourquoi est-ce que tu l'appelles une barrière. C'est une barrière. Elle est une barrière. Une très grande barrière comme ça. Une très grosse barrière. Comment appelle-t-on la personne qui empêche les succès d'une autre personne? Une barrière. Il faut l'appeler par son nom. Il faut l'appeler par son nom. Ma soeur, mon père sont tous des barrières, tous les deux. Ce mec, tu ne me parles plus jamais de ça. Le plus tôt tu arrêteras de parler de ça, le mieux ce sera. Autrement, nous aurons des problèmes. Est-ce que j'ai été assez clair? S'il te plaît, une barrière est une barrière. C'est comme ça, oui. C'est bon. C'est très délicieux. Quel régal. Tiens, tiens. Tu es toujours comme ça, toi. Tu nous regardes aussi, tu n'as même pas honte, toi, hein? Mon boucher fait tomber. Jusqu'à ce que tu vas changer. Tant que tu continueras à faire tes bêtises dans cette maison, tu vivras la même chose. Si tu ne changes pas, tu n'auras pas la paix dans cette maison. Mon Dieu, quel repas! Bébé. Attends, s'il te plaît. Allez, bébé. Pas jusqu'à ce point, hein? Pourquoi tu m'as quitté comme ça? En parler encore. Hein? C'est vraiment pour ça que tu devais partir comme ça. J'avais juste...
dit que j'allais faire quelque chose. Mais ce n'est pas pour ça que tu devais me quitter comme ça, chérie. Désolé, chérie. Ok, je t'ai entendu. J'ai entendu ce que tu m'as dit. Je ferai quelque chose pour ça. Désolé. Gigi est ta sœur. Elle n'est pas ton esclave. Je ne sais pas pourquoi toi, ta mère Ngozi la détestent énormément. C'est pas juste. C'est... Ok, d'accord. J'ai compris ce que tu as dit. J'ai... Comme je viens de dire, je ferai la paix avec elle. Pour que tu sois heureuse. N'es-tu pas contente? Souris. Désolé. Je suis désolé. C'est... Écoute. Je ferai ce qui est bon pour toi. Tout ce qui peut te rendre heureuse. Je ferai la paix avec ma soeur. D'accord. Je t'aime. Je t'aime aussi. Oh. Ok. Papa, bienvenue. Merci, ma fille. Ucheche, comment ça va? Je vais bien, papa. Bienvenue. Merci, ma fille. Tu vas bien? Tu n'es pas du tout heureuse. Qu'est-ce qui doit être le problème? Ucheche. Je vais bien, papa. Mon mari, bienvenue. Sois le bienvenu, mon mari. J'ai pensé qu'on allait plus se saluer, mais c'est bon. Hein? J'espère qu'il y a la nourriture dans cette maison parce que là j'ai très faim. Ngozi, prends la nourriture de ton père. Ok, maman. Ucheche, tu as mangé? Oui, papa. Hey, tu vas bien? Oui. Il n'y a pas de problème. Ketchi, comment ta journée? C'était bien, grâce à Dieu. Je vois. Et la tienne? Non, ça va. Je te vois juste en train de nettoyer tes dents. J'ai profité de ma nourriture. C'était très bon. Tu vas beaucoup. Raison pour laquelle tu es heureuse en train de te faire du plaisir. Papa, ta nourriture merci, est là. Merci, ma chérie. Comment s'est passée la journée, papa? Ah, ça a été. Ma journée s'est bien passée, ma fille. Et ça a été. Prends-moi de l'eau pour laver mes mains. Désolée. J'avais oublié. Oh, Tchéché, est-ce que tu as mangé? J'espère que tu lui as déjà demandé. Hein? Ok. Bon appétit. Mais tout ça, c'est vraiment quoi? Après tout ce que j'ai eu à dire à mon père de vendre une partie de sa terre pour me garder un peu d'argent pour mon voyage. Seulement quand il l'a vendu, cette fille, cette sorcière des barrières, s'est allée se faire casser la jambe. Et maintenant, papa dépense son argent pour son traitement. Mais qu'est-ce qu'il se passe vraiment?
Grand frère. Grand frère. Laisse-moi tranquille. Grand frère, s'il te plaît. Je t'en prie, grand frère. Pardonne-moi. Si je te fais du mal d'une manière ou d'une autre, pardonne-moi. Te pardonner? Regarde un peu tes larmes de crocodile. Comme si tu ne savais pas ce que tu as fait. Une barrière. Tu oses venir ici? Après tout ce que tu m'as fait. Tu es méchante. S'il te plaît, grand frère. Tu es une barrière. Un obstacle pour mon succès. Tu es une sorcière. Tu es, en fait, tout ce qui est de négatif. En fait, tu tourmentes ma vie et tu viens me parler du pardon? Va-t'en d'ici, s'il te plaît. S'il te plaît, grand frère. Je t'en prie. Ah. S'il te plaît. Je vais sentir l'amour fraternel. J'ai besoin de l'amour de mon frère. Est-ce que tu vas juste te taire ou tu veux que je ferme ta bouche moi-même? Hein? Qui est ton frère? C'est quoi ça? Non, dis-moi, es-tu folle? Je ressemble à ton frère? Qui est ton frère? Moi. Tu penses que tout ça me concerne? Est-ce que je ressemble vraiment à quelqu'un qui est content de te voir? Si je te regarde encore, c'est à cause des papas et mamans. Sinon, si c'était pour moi, je t'aurais déjà étranglé. Tu me trouves assis seul, en train de réfléchir à ma vie, et tu viens me déranger avec ta jambe cassée. Arrête de me déranger. Je ferme mes yeux. Écoute, avant que je n'ouvre mes yeux, pars d'ici. Grand frère, s'il te plaît. Je t'en prie, accepte-moi comme ta sœur. S'il te plaît, essaie un peu de bien regarder cet homme-là. Est-ce que j'ai l'air d'avoir un problème avec toi? Est-ce que j'ai l'air de ne pas faire la paix avec toi? Va-t'en quand tu peux encore. Pitié, grand frère. Je t'en prie. S'il te plaît, mon frère. Tu commences frère. À m'étonter. Pour ton propre bien, si tu veux vraiment rester en vie, alors va-t'en d'ici maintenant. Pitié. Disparis avant que je n'arrive à trois. S'il te plaît. Un. Deux. Va-t'en. Une sorcière. Va-t'en, va-t'en, oui, va-t'en. Sorcière. Une barrière. Obstacle. Femme méchante. Ennemi. Démon. Sorcière. Une grande sorcière. Une grande sorcière. Une grande sorcière. Regarde un peu. Regarde, regarde, regarde. Tombe et meurs. Tombe et meurs. Tombe. Tu peux tomber et mourir. Tombe et meurs. Tombe et meurs. Tombe, tombe, tombe et meurs. Tombe, 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 tombe. Tombe et meurs. Sorcière. Une grande sorcière. 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 Barrière. Obstacle. Rosie. Maman. Si je n'étais pas venue t'apporter de l'aide, tu allais juste les jeter dans ces bols. Maman, ce n'est pas ce que tu penses là-haut. Il faut toujours bien les arranger. Hein? De sorte que ça attire les regards. Tu peux les toujours arranger. Et ça. Ça a l'air. Donnera. Mais maman, j'ai essayé, non, n'est-ce pas? Tu ne les classes pas comme il faut. Il faut toujours avoir le tactile du marché. D'accord, c'est bon, j'ai compris. Quand tout est bien classé, bien arrangé, les gens chercheront à savoir ce que tu. Les rapports. C'est comme ça que tu as tout repris à zéro. Regarde. Le fait juste de classer t'apporterait toute la différence. Ne laissais-tu pas? Hey! Ça faut le mettre de ce côté. Bien, bien! Mais qu'est-ce qui se passe? Toi, c'est infirme. Tu dois faire attention à la manière dont tu marches. N'importe quoi, je ne veux pas entendre des histoires, oh. Attends, attends. Donne ça. Maman.
Maman, s'il te plaît, je t'en prie, pardonne-moi. Grand-sœur, pardonne-moi. Si je fais du mal à cette famille d'une manière ou d'une autre, veuillez me pardonner. Quelqu'un est-il en train de parler? C'est la barrière. C'est la barrière qui parle. Je ne comprends pas vraiment dans cette maison. Hey, il dit la catastrophe. Bien. C'est comme ça que tu n'as plus aucun respect pour moi. Tu oses venir à ma présence pour vomir ces bêtises. C'est certain que tu commences à les perdre. Maman, pardonne-moi. Maman, je... Hey! Hey! Qui est Negoma? N'importe quoi. Peux-tu fermer ta sale gueule? Tu es aussi en train de dire à ma propre mère qu'elle est ta mère. Es-tu malade? Ta tête ne tourne pas bien. Si je t'entends encore dire cette chose, que ma mère, ma propre mère, est aussi la tienne, je te dis, hein, je vais te faire du mal. Franchement, je t'avertis, hein, fais gaffe. Fais gaffe, je te dis. Si je t'entends encore dire cette bêtise, hein, n'a pas honte. Franchement, tu es folle. Maman. Maman, s'il te plaît. Je suis prête. Je suis prête à recevoir n'importe quelle punition. Si cela fera en sorte que vous puissiez me pardonner. Je suis prête à recevoir n'importe quelle punition. Tu es prête à recevoir n'importe quelle punition? Oui. N'importe quelle punition? C'est toi qui l'ai dit. Tu sais que je suis une membre fervente de l'Assemblée des femmes chrétiennes. Tu sais que je ne crois pas à tout ce qui a trait à l'adulté. Vraiment. Je ne crois pas du tout à ça. Genre, si quelqu'un fait quelque chose de mal, tu vas le punir selon cet acte commis. Hein? Je vais te donner juste quelque chose qui va t'aider à te redresser. Hein? Ça ne sera pas aussi grave. Un petit travail à faire. Je vais juste te donner 20 pièces de ces histoires. Pour que maman, tu la berces beaucoup. Sois un peu gentil, juste comme un membre de femmes chrétiennes. Maman, s'il te plaît, je ne saurais pas faire ça. Maman, regarde mon état. Juste prends le temps d'y regarder mon état. Comment est-ce que je saurais faire ça? Cette fille n'est pas sérieuse. Bien, j'ai cru que tu étais sérieux dans ce que tu disais. Ah ah! Si tu ne sauras pas le faire, mais quitte ici, non? Dégage de ma vue maintenant. Écoute, ne me rappelle pas ce que j'ai oublié, oh. C'est pour toi que je suis dans ce village. M'as-tu entendu? Si tu ne sauras pas le faire, allez, dégage d'ici. Ah ah! Ok, c'est bon, je peux le faire. Je vais le faire. Maintenant, tu comprends. Ne nous prends pas pour de méchantes. Donne-lui un encouragement. Awa, saute. 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 Awa, saute. Oh, n'abîme pas mes accros. Biko, j'ai pris beaucoup de temps pour les apprêter. Hein? Cette fille exagère de fond, hein. Allez, bouge ton pied de l'autre côté. Regarde comment est-ce que tu me provoques vraiment. Ah. N'ose pas gâcher mon marché parce que tu n'aimeras pas ce que je vais te faire. Elle fait semblant de tomber pour que nous puissions avoir pitié d'elle. Elle pense que c'est une blague, hein? Bouge ton pied, tu risques de le mettre dans le truc de maman. C'est quoi ça? N'importe quoi. C'est vraiment sale. Maman, laisse-la. Oui, oh. Mon Dieu. Arrange ton pied. Tu n'as même pas encore donné un sur ce qu'on t'a demandé. Doucement. Doucement. Désolé, ma chère, désolé. Non, monsieur, je vous en prie.
Monsieur, doucement. Oui, je sais. Elle a mal. Oh, désolé. Tu vas bien te porter. Hey, doucement. Fais-le doucement. Doucement, ça va aller. J'ai presque fini. Ne te dérange pas, ma fille. Voilà, j'ai fini. Monsieur Tijoké, elle ira mieux. Merci beaucoup. Je vous en prie. Monsieur Tijoké, je dois me mettre en route maintenant. Merci beaucoup. Merci. Tel que je t'ai dit tantôt, une fois que je vends mes ignames, je te remets l'argent, s'il te plaît. Je te le remets directement. Ok, pas de problème. Merci. Prenez votre attention. Merci. Je dois juste partir maintenant. Merci. J'aurais dû comprendre combien vous ne vous en faites surtout pas. Je reviendrai la voir demain. Ok. Merci. Il n'y a pas de problème. Je crois que tu es déjà partant. Oui, oui. Ok, ok. Merci beaucoup. Ça te fait très mal. C'est ici, ici. Ici. Ça va aller. Ça va aller. Ne t'en fais pas, ma chérie. Ça va aller, hein. Calme-toi, calme-toi, ma chérie. S'il te plaît. La vie. Ha! Mon fils, viens ici. Qu'est-ce qui est arrivé à ta sœur Uchechi? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui est arrivé à qui? Uchechi, ta sœur. Ah. Est-ce que ça me regarde? Je ne sais pas. Je ne comprends rien. Je ne pense même pas que ça me regarde. Michael? Depuis quand est-ce que tu me réponds par une question? C'est à cause des questions que tu m'as posées. Si vraiment j'avais une réponse, j'allais directement répondre. Dieu. C'est aussi simple que ça. Pose-moi une question même sur maman. Est-ce qu'il y a autre chose? Ah, s'il te plaît, tu peux partir. Pas seulement. Pas quitte, 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 quitte. Ça me regarde pas. Si tu veux voir Uchechi, vous savez où la voir. Je ne comprends plus rien. Ça, c'est quel genre de problème, ça? Dieu! Ça, c'est quel genre de problème? Papa. Mais est-ce que tu peux finalement me dire ce qui se passe? Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? J'étais tombée. Tombée? Oui, papa. Juste comme ça? Oui, papa. Et qu'est-ce qui est arrivé? Comment est-ce arrivé? J'étais allée puiser des eaux. Alors, par erreur, en marchant, j'avais raté une marche. Quand j'ai porté le seau d'eau, c'est comme ça que j'étais tombée. Et est-ce que tu m'as dit la vérité? Personne t'a frappé? Je t'ai dit la vérité, papa. La vie. Crois-moi, papa, personne ne m'avait frappé. Comment tu veux que je puisse te croire? Du fait d'être en route pour chercher l'eau, tu es tombé, tu te fais mal. Alors que tu sais bien que tu as un problème. Papa, tu sais que je... Si il y a quelqu'un qui te maltraite, dis-moi, je suis ton papa. Ah, non, papa, personne. Personne ne m'a touché, il n'y a rien. Personne, j'étais tombé, crois-moi. J'étais tombé. Oui, oui, j'étais tombé. Et quand je marchais, j'étais tombé, papa. Personne ne m'a frappé, personne. Ce que je t'ai dit, c'est la pure vérité.
J'étais tombée et c'est comme ça que c'était passé. Hé, hey, papa, non. Personne, crois-moi. Hein? Hey, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Papa, tu me donneras cet argent ou pas? Quel argent? Papa, tu me donneras cet argent ou pas? Mais quel argent, non? Non, je vous dis vrai. Non, j'ai besoin de cet argent. Aujourd'hui. Mais c'est quoi cette bêtise? Mais de quoi parles-tu? Mais comment, de quoi je parle? Mais de quoi tu parles? Donnez-moi l'argent, je vais aller au Canada, je ne peux plus rester avec vous ici dans ce village. Et où est-ce que tu veux que j'aie l'argent? Nous avons une terre familiale. Nous avons une terre familiale. Nous avons une terre familiale. Mike, tu dois être en train d'être aventurier. En fait, tu es fou. Tu es stupide. Quel argent? Où est-ce que tu veux que j'aie l'argent? Je te dis que je vais aller au Canada pour améliorer ma vie et celle de ma famille. Papa, tu dis que moi je suis fou. Je suis stupide, c'est ça. Où est-ce que tu auras l'argent? Mais je pensais que tu avais une terre pour la famille. Il faut la vendre. Donne-moi l'argent, je vais aller au Canada et améliorer ma vie. Ce n'est pas seulement pour moi, mais pour vous aussi. Michael, ça c'est l'unique terrain qui nous reste. Et pourquoi nous gardons cette terre jusqu'alors? Papa, tu vas vendre cette terre et me donner l'argent pour aller au Canada. Il faut que j'aille au Canada. Je fais encore quoi ici avec vos villages? Michael, ça c'est l'unique terrain qui nous reste. Et on la garde pourquoi? Mais pourquoi nous gardons encore cette terre? Vends-la, papa, donne-moi l'argent pour que j'aille au Canada, papa. Papa, donne-moi l'argent quand je serai de retour. Tu verras, je pourrais même construire une villa, papa, hein? Mais pourquoi tu agis comme ça? Tel que tu peux voir, ça peut se faire comme ça? Qu'est-ce qu'on aura? Qu'est-ce que nous avons? Tu n'as que moi. Vendons la terre et laisse-moi voyager, papa. Michael, tu n'es pas l'enfant que j'ai. Tu me donnes pas l'argent. Alors s'il te plaît. Donc tu refuses, papa? Il y a quelque chose qui ne va pas avec toi, Michael. Il y a quelque chose, papa, qui ne va pas. En fait, tu dois être fou ou stupide. Ah oui. Papa, tu dis que je suis stupide. Oui. Ok, laisse-moi te montrer quelque chose. Tu dis que je suis stupide. Ok, qu'est-ce que tu veux faire? Non, pas de problème, papa. Bêtise. Je vais te montrer quelque chose. Arrête ces bêtises, tu ne peux absolument rien faire. Qu'est-ce qu'ils ont avec ces garçons? On ne peut pas rester calme ici? Ça, c'est quel problème? Dans quel trou est-ce que je me suis entré? Mon Dieu. Ne t'inquiète pas. Vendre ce même terrain. Ne t'inquiète pas, papa. Michael. Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Vous allez voir aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux faire, Michael? Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais Michael, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais Michael, tu fabriques quoi? S'il te plaît, Michael, arrête de faire ça. Michael, je te demande d'arrêter de faire. Arrête, Michael. Michael, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, papa. S'il te plaît, Michael, arrête. Ne t'inquiète pas. Arrête, Michael. Michael, s'il te plaît. Arrête. Michael, je te demande d'arrêter. Arrête, Michael. Vois ce que tu fais. Papa, tu me donnes cet argent ou pas? Très bien. Michael, arrête, s'il te plaît. Arrête, s'il te plaît. Va vendre cette terre et donne-moi l'argent. Ok, je vais te le donner. Tu vas me donner l'argent. Merci. Maintenant, on s'entend. Vas-tu vendre la terre ou pas? Je vais vendre. Alors, s'il te plaît. Voilà. Va-t'en de là. Mon Dieu. Tu n'as qu'une seule jambe. Tu ne peux pas être ici. Je suis désolé. Demain, très tôt le matin, tu vends cette terre. Très bien. Oui. Très bien. Mon Dieu. S'il te plaît, ma chérie. Mais pourquoi vous faites de telles choses à votre sœur? Je suis désolé. Je suis désolé, ma chérie. Seigneur. Mais vous voulez me tuer tous? Ton frère a voulu brûler la maison et toi, tu viens ici avec une seule jambe. Désolé, papa. Mon Dieu, dans quel trou est-ce que je me suis jeté? Je suis désolé. Bébé, tu sais que je t'aime beaucoup, non? Je t'aime aussi, yo. Tu ne sais pas ce que tu m'as fait aujourd'hui. Je suis très, très contente. Merci, tu as coloré ma journée. Oh, tu sais, je ferai vraiment n'importe quoi pour toi. Je sais. Tout ce que tu veux. Merci énormément. J'attends, oui, viens là. Je t'aime. Je t'aime bien plus. Alors, je dois déjà partir maintenant. Je dois aller préparer le dîner. Ok, je te reverrai une prochaine fois. D'accord. Ok. Je crois que je dois partir maintenant. D'accord. Prends bien soin de toi. Prends bien soin de toi, oh. Je le ferai, chérie. Bye. Bye. Michael, papa m'a dit ce qui s'est passé très tôt aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai? Il t'a dit quoi exactement? Il a dit que tu voulais brûler la maison parce qu'il ne t'a pas donné l'argent pour aller au Canada. Comment pouvais-tu? C'est pour ça que tu es là. Non, Ngozi, dis-moi, c'est pour ça que tu es là? Mais c'est quel genre de question ça? Es-tu heureuse de me voir dans ce village? Es-tu heureuse que je souffre comme ça, dans ce village? Écoute, je n'ai pas la tête à ça. Es-tu heureuse de me voir dans ce village, dis-moi? Non, dis-moi, es-tu vraiment heureuse que mes amis m'appellent villageois? Non, Michael. Es-tu heureuse que mes amis me prennent pour un garçon inutile et villageois? Oh mon Dieu. C'est ce que tu aimes? C'est ce que tu veux pour moi? Non. Ce n'est pas ce que je veux de toi.
Tu sais que je t'aime et tu n'es pas éhonté. Tu es mon unique frère et tu le sais bien. Tu sais aussi que je t'aime bien. Maman t'aime et papa aussi. S'il te plaît, ça c'est la partie que je ne vais jamais accepter. Tu m'aimes? Oui, je sais. Maman m'aime? Oui, je sais. Mais tu vois cet homme qui s'appelle mon père? Cet homme n'a aucunement de l'amour pour moi. Il ne m'aime pas, il fait que je pourrisse dans ce village. Est-ce que c'est moi la cause de sa pauvreté? C'est à cause de moi qu'il est rentré dans ce village? C'est à cause de moi qu'il a volé ses deux entreprises? Est-ce que c'est moi qui suis la cause de tous ces problèmes? Est-ce que c'est moi sa barrière? Il avait deux entreprises là-bas, les gosses, il a fait quoi avec? Pourquoi il veut que je sois comme lui? Hein? C'est à cause de moi qu'il a volé ses deux entreprises? On avait une bonne vie en ville. Dieu seul sait quel crime il a commis qui nous a ramenés ici dans ce village. Ça suffit. Hein? Tu veux dire quoi par ces bancs? Tu suis la barrière? Donc il veut que je sois comme lui, un villageois. Je ne peux pas rester dans ce village, ça ne va pas marcher. Il va vendre ses terres. Et me donnera l'argent pour que je puisse partir. La seule terre que nous avons? Tu veux dire que par la seule terre? Oui. Donc, on va regarder la terre? C'est la seule terre que nous avons. C'est assez. Cette terre ne sert qu'à la voir, c'est tout. On va la vendre et je vais changer ma vie. Si je vais au Canada, les choses vont changer pour moi. Je me ferai de l'argent. Je ne serai plus la même personne. Vous allez voir, tout va changer. Je serai un grand homme. Vous n'aurez plus cette maison. Vous aurez quelque chose de plus grand. Ça, c'est quoi? Non, mais dis-moi, ça, c'est quoi? C'est vraiment ici que tu veux que nous vivions toute ta vie? C'est ce que nous avons pour le moment. Ok, calme-toi. Tout se passera très bien. Les choses feraient mieux de changer. S'il te plaît, toutes ces choses ne sont pas nécessaires. Qui a dit que ce n'est pas nécessaire? Parce que moi, là, je n'arrive pas à te comprendre. Qui t'a dit que ce n'est pas nécessaire? Tu vas trop loin. Gozi, va-t'en. Vas-y maintenant, Gozi. Désolé. Va-t'en. Désolé. Va-t'en. Ok. Va-t'en. Désolé. Vas-y, mais vas-y. Désolé. Ogenika Mary, Nemujuru Maju. Ogenika Mary, Omunem Juru Maju. Ogenika Mary. Nene kamere, nemujuru maju. Nene kamere, nemujuru maju. On ne peut plus se reposer dans cette maison. Laissez-nous un peu tranquille dans cette maison, non? Hein? Nous sommes maintenant dans un studio d'enregistrement. Bon après-midi, papa. Il n'y a rien de bon pour ce qui vient de me déranger maintenant. On ne peut plus voir de nous dans les calmes de cette parcelle. À tout moment. C'est quoi avec toi? Hein? Les plus ennuyants dans ce son, c'est que ce n'est pas du tout mélodieux. Toi avec tes sons hors normes. Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu as? Hein? Tu veux creuser ma tombe? C'est quoi ton problème? J'aurais même souhaité que ces musiques soient un peu douces. Ces sons que tu nous balances nous donneront des céphalées aux d'autres personnes quand elles sont tristes dans leur maison, en train de se consoler en chantant. Ça paraît un peu douce. Hein? Ne sais-tu pas que les gens font beaucoup d'argent avec ce genre de chants mélancoliques? Tu as brisé mon cœur. Les gens se bousculent au marché pour en procurer des CD. Même ceux qui font de la vie, c'est comme ça. Les gens courent pour en acheter des CD. Ils font des millions de copies. Des chants de cœur brisés font le marché, même pour mon cas. Ton cas a toujours été différent, paria. C'est que toi, tu nous fais entendre aussi si on amenait ça au marché. Personne ne voudra en acheter même une copie. Maintenant que tu pleures, fais ce genre de mélodie où quand les gens passent, entendent et disent « Non, ce son est touchant. » Ainsi, tu te feras de l'argent. Pour ton cas, il n'y a rien. Aucun profit. Tes chagrins ne m'apportent aucun profit. Hein? Tout ce que tu sais faire, c'est de sucer les sons de gens dans cette maison. C'est quoi ton problème? Hein? Laisse-moi dormir. Laisse-moi prendre de l'eau calmement dans cette maison, s'il te plaît. Bien, c'est celui d'enregistrement que tu as ouvert maintenant avec tes amis paria, invisibles. Je ne veux pas de ça, oh. Dites-leur de partir. Vous tous là. Viens. Toi, Adana. Vous êtes. Partez d'ici maintenant.
Rentrez chez vous. Je ne veux pas de ça. Je vais de partir. Fia. Même dans la tristesse, tu restes pas Fia. Fia, arrête avec tes bruits. Tu dois m'appeler dans cette maison. Papa. Maman. Maman, s'il te plaît. Maman. Inmaya, est-ce que tu peux m'aider pour cette fois, s'il te plaît? Chijoke, mon problème ici c'est, pourquoi veux-tu emprunter de l'argent avec ta propre terre, hein, comme garantie, juste pour impressionner ton fils? Mon frère, s'il te plaît, comprends-moi. C'est mon garçon et mon unique fils et je l'aime beaucoup. Je peux faire n'importe quoi pour les rendre heureux. Ma prière est telle que les choses marchent, car il veut aller au Canada. Et un jour, il reviendra vers ma famille et nous serons heureux. S'il te plaît, prends mon terrain en gage jusqu'à ce que je payerai. Si c'est vraiment ce que tu veux, hein, je crois que tu devrais venir avec quelqu'un. Tu comprends? Qui te soutient au moins, avant que nous signions un document quelconque. Là n'est pas les problèmes. Je viendrai avec quelqu'un, demain. On fait comme ça. Je t'attendrai dans ce cas. Ok, merci. Je te prends congé. Très bien. Michael, mon fils, tel que je t'avais dit en avant, et je te souhaite bonne chance. Et aussi, je sais que les dieux de ce village seront avec toi. N'oublie pas de revenir ici un jour. Tu es mon fils. Nous sommes commis à la réussite. Ne l'oublie jamais. N'oublie pas le fils de qui tu es. Tu comprends ça. N'oublie pas le fils de qui tu es. D'accord, papa. Hein? Papa, laisse-moi le voir encore. Il y a pas de problème. Je garde son sac pour le voir. Attends d'abord. Tu es déjà en train de manquer à ta sœur. Oui, je t'accompagne. Grand frère. Bon voyage. Ne t'en fais pas. Regarde-le dans les yeux. Il t'aime beaucoup. Allons à la maison. Pourquoi tu veux pleurer? Il va revenir. Ne commence pas, pardon. Bébé? Ah ah! Salut bébé. Comment vas-tu? Je vais bien. Qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Oui bébé. Mais je pensais que... Je sais. Je voulais juste faire une surprise à mon bébé. Et également de voir ma mère. Mais tu devais m'informer, non? Tu devais me dire que tu venais. C'est pourquoi je te l'ai dit. Je voulais surprendre mon bébé. Y a-t-il quelque chose de mal à vouloir surprendre mon bébé? Non, il n'y a rien de mal, mais tu devais quand même m'informer. Quoi qu'il en soit, l'important est que je suis là. Bienvenue. Tu m'as beaucoup manqué. Tu m'as manqué toi aussi. Alors, comment vas-tu? Je vais bien. D'où est-ce que tu viens comme ça?
J'étais partie accompagner Michael. Tu sais, il voyage aujourd'hui. Waouh, je suis vraiment content de lui. Oh. Finalement, il l'a fait en tout cas. Il cherchait le voyage. Il l'a eu finalement. Ok, ça c'est bien. Donc, il est déjà en train de partir. Il fait d'abord un scala à Lagos et demain, il va voyager. Sa demande a enfin été acceptée. Oui, oh, et nous sommes tous contents. Je suis content pour lui. Oui. Waouh. Vraiment. Allons quelque part nous amuser. Tu sais, s'amuser un peu. Bon, tu vois très bien que tu m'as surpris. Alors, je ne sors pas aujourd'hui, je ne saurais pas. Je dois vite rentrer. Tu connais très bien ma maman, non? Je suis sûre qu'elle me cherche maintenant. Elle est déjà en train de dire de n'importe quoi sur moi. Tu la connais bien. Alors, je dois rentrer pour l'aider avec du foufou. D'accord, pas de problème. Laisse-moi te conduire à la maison. Il n'y a pas de problème. Tu m'as beaucoup manqué. Viens là, toi. Prière de m'informer prochainement. Je sais, la prochaine fois. Arrête. Tu peux toujours me surprendre autrement. Merci. Bye. Alors, comment s'est passée ta journée? Comment s'est passée ta journée? Oui, bien. Toi qui aimes des surprises, j'espère que tu m'as emmené des bonnes choses. Oui, bien sûr que je l'ai fait. Continue toujours à me surprendre. Maman? Maman? Maman, bonjour. Johnson. Maman? Johnson. Maman? Maman? Maman, maman, bonjour. Johnson. Maman? Toi? Ne me dis pas que tu t'es allé tout ce temps et tu n'es pas venu me voir. Ah, non, 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 je suis arrivé juste aujourd'hui, avant que je ne croise Ngozi en train de rentrer à la maison. C'est aujourd'hui que je suis arrivé. C'est vrai, maman. C'est ça. Oui, maman, il vient d'arriver. Oh, Ngozi, pas prendre pour lui les gants, hein? On ne fait pas ça, cela. Ok. Non, 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 je dois déjà me mettre en route. Oui, maman. À peine tu viens d'arriver. Oui, maman, j'ai vraiment quelque chose à fouetter. Chai. Mais avant que je n'y aille, prenez ceci. C'est pour toi, maman. Voilà. Tout ça pour moi? C'est ça, maman. C'est ça, maman. Hey, toute cette somme? Oui, maman. Oui. J'allais tenir de le reprendre, mais je sais que tu ne voudras pas. Maman? Hein? Mais maman, avant que je ne rentre, je viendrai te voir. Oui, très bien. Je dois partir maintenant. À plus tard. Très bien, plus tard, maman. Ok, maman, garde-moi ça. Je l'accompagne. Comme tu t'as gardé du corps. Non, maman. Mon beau, avant de rentrer, n'oublie pas de venir me rendre visite. En venant, n'oublie pas de me faire du bien. Ok. Je ne suis qu'en train de plaisanter. Mon bébé est bien à Vico. Prends place. Je vais te dire un truc. Ah, quoi? C'est rien de sérieux. C'est juste au sujet de Johnson. Maman, c'est quoi encore à propos de lui? Tu sais, tu ne peux pas mettre tout ton espoir à un homme quand il n'est pas ton mari. Je ne comprends pas, maman. Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'arrive pas à comprendre.
ouvre tes yeux. Nous ne sommes plus dans l'ancien temps. Nous sommes maintenant dans l'ère numérique. Tu comprends? Ne reste pas figé dans un système. Tu dois déployer des ailes. Ne reste pas sur place. Tu dois apprendre à diversifier tes entrées. Au cas où l'un t'ait brisé les cœurs, tu peux te consoler de l'autre bord. Maman, je n'arrive toujours pas à comprendre. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que j'essaie de dire est que... tu sais, tu dois avoir une autre personne à part Johnson. Au cas où Johnson t'ait brisé les cœurs, l'autre peut te consoler. Maman, es-tu en train de dire que je dois sortir avec différents hommes? Tout fait à quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Non. N'oublie pas que je suis une membre fervente de la communauté des femmes chrétiennes. Je ne peux pas te dire de faire ce genre de choses. Ok. Pas avec plusieurs hommes. Juste deux ou trois. Tu sais, tu peux gérer deux ou trois. Tout en étant heureuse avec eux, pendant qu'ils prennent soin de toi. Un seul homme ne saura remplir tous tes besoins. Hein? Ça veut dire autrement que je dois tromper mon homme. Bah non, je ne sais pas comment tu les qualifies. Mais ce que j'essaie de te dire, c'est un peu comme avoir des réseaux. Si dans l'autre réseau, il n'y a pas de connexion, tu peux te connecter dans l'autre réseau. Maman. Que veut dire cette exclamation? Je ne saurais pas tromper mon petit ami. Non. Essaie de comprendre ce que j'ai dit, non? Yendeba, 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 yendeba. Maman, arrête. Je ne saurais pas tricher, mon homme. C'est qui parle de tricher maintenant? Tu aimes toujours employer des gros mots. Ça s'appelle s'entraider. Ils t'aident. Tu les aides aussi. Au moins, une seule personne ne sera pas stressée avec tes demandes. Tu comprends? Pendant que l'autre sera en train de prendre soin de tes besoins, ça donne le temps à l'autre de souffler un peu. Ça, c'est l'intelligence que tu dois appliquer maintenant. Mais je ne veux pas le faire. C'est pour ça que tu m'as appelée, hein, maman? Je refuse. Nawao, regardez-moi cette fille. Maman, comme tu n'as rien à me dire, moi je m'en vais, s'il te plaît. Eh oui. Tu ne m'as rien dit, au fait. Si tu ne veux pas appliquer mes conseils, viens moi m'aider avec le business de Ako. Viens m'aider avec celui-ci. Viens m'aider à la porter à la boutique de maman Obina. Nania, ne sais-tu pas que ce conseil t'évitera d'être perdante à la fin? Hein? Donc maintenant, c'est seulement cette fille qui n'a qu'un pied qui écoute ce que j'ai dit, hein? Vois comment j'ai même transpiré. Yendeba, 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 yendeba. Yendeba, yendeba. Maman, maman, s'il te plaît, maman, j'ai faim. Maman, je t'en prie, ça fait des jours maintenant que je n'ai pas mangé.
Ça fait des jours, maman, que je n'ai pas mangé. J'ai faim. Je t'en prie. Donne-moi à manger. Maman, je t'en prie. J'ai faim. Non. C'est mieux que tu ne manges pas cette nourriture. Tu sais pourquoi? Si tu le manges, oh! J'ai pitié de toi. Si tu manges cette nourriture maintenant, fini, tu vas tomber. Et ce pied qui reste va se briser. C'est tellement délicieux que si tu le manges, tu tomberas ici et te casser l'autre pied qui reste. Donc le mien pour toi serait juste rester comme ça. Au moins avec cette jambe, tu gères. Et si tu le perdais aussi, ça sera malheureux pour toi. Comment tu voleras avec ces béquilles? Tu risques de devenir une estropiée. J'ai ta faim, oh, tu ne mourras pas. Crois ma gentillesse de ce matin. C'est pour ton bien que je le fais. Si je te donne cette nourriture, ça ne t'aidera pas. Ça ne t'aidera pas du tout. Maman, s'il te plaît. Je vais mourir de faim, maman. Tu vois ce que tu viens de dire maintenant, là, me rend heureuse. Nous venions à peine avoir une réunion en famille pour savoir comment mettre fin à tes problèmes, c'est-à-dire trouver la personne qui peut t'achever pour nous. Puisqu'actuellement, celui qui fait du mal à un infirme fera la prison. Hein? Donc, nous sommes en train de chercher comment achever ses plans. Ce mec qui t'a brisé les cœurs, je ne sais pas comment il t'a laissé inachevé. Je suis certaine que cette personne était déterminée à te tuer. Il a eu peur de te tuer, c'est pourquoi il t'a juste cassé ses jambes. Je suis en train de chercher celui qui peut te tuer complètement pour qu'on se débarrasse de toi. Et en mourant, tu vas aller rencontrer tes amis paria dans l'au-delà. S'il te plaît. Maman, oh? S'il te plaît. Maman, je t'en prie. Si c'est la nourriture qui va te tuer, s'il te plaît, tu dois mourir. Si tu meurs, ça fera du bien à tout le monde dans cette maison. Personne ne te tue parce que nous évitons juste d'être sous un mandat d'arrêt. Si tu peux mourir par toi-même, ça sera une bonne chose. Ça nous aidera beaucoup. Ça nous aidera beaucoup. Maman, s'il te plaît, juste une cuillère. Juste une bouchée. Une cuillère seulement, laisse-moi goûter. Laisse-moi goûter seulement, maman, une bouchée. Je t'en prie. Mba, je veux juste te faire du mal. Cette nourriture est très bonne. Tu vois comment tu veux te mettre maintenant juste à cause d'une simple odeur. Mba, non, je ne veux pas que les gens disent que c'est moi qui t'ai tué. Ndo. Hey. Quel regret. Non, Soka. Viens. Attention avec ma porte. Fais attention. Ne le fais pas tomber. Oh. Ah. Hey. Fais gaffe. Oh. Ça sera un problème pour toi. Oh. Ne gâche pas mon humeur. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Ramasse tes béquilles. Ferme-moi cette porte. Très bien. Ne me prends pas pour une méchante, oh. Je ne suis qu'en train de t'aider. Cette nourriture est très délicieuse. Je ne veux pas que tu meurs entre mes mains. J'ai encore beaucoup de temps devant moi. Trouve-toi un autre moyen de t'ôter la vie. Pas avec moi. Nemo biko wayarabo umunemo wayarabo afomurumo mami wayarawagi biko Ouais. Quand tu fais les toniques, ouais, tu descends. Ouais. Est-ce que tu as un temps où ta bouche est fermée? Bien, reste calme, écoute ce que je suis venue te dire. Ok. Je te donnerai la nourriture. Juste à une seule condition. Maman, je suis prête. Je suis prête à faire n'importe quoi.
Je ferai tout. Bia, n'est-ce pas que c'est moi qui est venu parler avec toi? Tu veux prendre de l'avantage sur moi? Je te donnerai la nourriture à condition que tu m'aides à faire les hors-cours. Maman, maman, tu sais que je ne saurais pas. Hein? Maman, tu sais que je n'arrive pas à bien marcher. Y a pas de problème. Je peux m'en aller, il n'y a pas de souci. Non, maman, maman. Oui. Je vais rentrer. Je le ferai. Je le ferai, oui. Tu es d'accord? J'accepte. Désormais, c'est toi qui se charge de mon hors-cours. Je suis prête. Oui, je suis prête. Je suis prête à faire n'importe quoi pour te rendre heureuse. Quoi? Allez, entre. Viens prendre la nourriture. Ok. Ne me fais pas perdre de temps parce que j'ai changé d'avis, oh. Ok. Oui, maman. Dépêche-toi. Ok. Hush. Maman, maman, j'arrive. J'arrive. D'ailleurs, pourquoi j'emploie le nom qu'elle ne reconnaît pas? Paria! Baria! Arrête de perdre mon temps. Le temps, c'est de l'argent. Maman, je suis là. N'abîme pas cette porte. Fais attention. Merci, maman. Merci pour la nourriture. Bien. C'est avec ces mains sales que tu veux toucher, mais à quoi? Tu enlèves les morves avec les mêmes mains. Va les laver vite. Quoi? Approche-toi jusqu'ici. Comme ça, tu vas bien écouter ce que je vais te dire. Ouvre bien tes oreilles. Il est temps de rentrer ici à la maison. C'est 17 heures juste. Tu m'entends? Pas 17 heures passées d'une minute. Si par erreur ton père rentre avant toi et qu'il découvre que tu vends les haricots pour moi, hey, c'est que je te ferai. Tes yeux verront ta nuque. M'entends-tu? Oui, maman. Bien. Qu'est-ce que tu as? Tu m'as appelé qui? Qui est-ce que tu viens de m'appeler? N'étais-je pas interdit de m'appeler comme ça? Suis-je ta mère? Ai-je l'air d'être ta mère? Bien, ne m'appelle plus maman, je ne suis pas ta mère. Est-ce que tu m'entends? N'ose plus jamais le faire. Ne le sais même pas. Zinzin. Allez, prends ces bassines. Allez, mets ça sur la tête. On n'a pas de temps à perdre. Bien, bien. C'est comme ça que tu vas commencer à aller danser avec mon encore sur ta tête. Hein? Attention. Allez. Bon. Mets sur ta tête. Ouais. Maman, s'il te plaît, laisse-moi tenir avec l'autre main. Oui. Ça ne va pas tomber. Viens. Maintenant que tu pars, tu dois finir de vendre toutes ces pièces avant de rentrer à la maison. Sinon, nous partagerons moi et toi la même moelle épinière. Maintenant que tu pars, tu vois cette chanson que tu fais ici, tout le matin. Tu t'en rappelles où tu faisais des montées et des descentes, hein, en bougeant un peu. Maintenant que tu pars, tu peux les balancer chemin faisant. C'est des choses comme ça que tu dois faire pendant que tu vends, hein, pour essayer un peu d'attirer les clients. Tu vois toutes ces filles jolies quand elles vendent, elles attirent les clients par leur beauté. Puisque toi, tu n'as rien de semblable et que ton cas est différent.
ce qui peut t'aider à avoir des clients, c'est de chanter. Un truc genre, laisse-moi t'aider. Achète ton akou, achète ton akou, achète mon akou, beauté et ma kou. Achète mon foufou, foufou toroutou. Un truc comme ça. Essaie de le faire pendant que tu marches. Achète mon akou, achète ton akou, foufou toroutou. Tourne, tourne non. Achète mon akou, achète mon foufou, achète ton akou. Foufou toroutou, achète mon akou, achète mon akou. Achète ton nakou, achète ton nakou. Foufou toroutou, achète ton nakou, achète ton. Ça devient intéressant maintenant. Je peux voir comment les clients s'avancent. Achète ton nakou. Achète ton nakou. Continue de chanter. Ça devient intéressant. Je vois comment les clients sont en train de courir pour en acheter. Tu vois, hier, quand on est sortis de l'école, on avait un devoir qu'on nous avait donné, non? Alors, nous nous sommes décidés avec mes amis d'aller travailler ces devoirs avant de rentrer à la maison. On avait tellement fini tard que mes parents m'ont interdit d'aller finir ces devoirs aujourd'hui. Ah,
Mais moi, je n'irai pas aujourd'hui. Mais j'irai demain. Et pourquoi? J'ai beaucoup de travaux à faire à la maison, tu le sais bien. Toi, avec ce travail, c'est tout le jour comme ça. Tu sais que je suis seule chez nous, alors je dois aider ma maman. Ok, c'est bon. Alors, qu'est-ce que tu vas préparer cet après-midi? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas si je serai au marché aujourd'hui. Eh ouais. Regarde là. Sa famille l'appelle Paria. Ah, Azoba. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? N'est-ce pas que c'est évident? N'as-tu pas entendu ça? S'il te plaît, arrête ça. Qu'est-ce qui prouve que tout ce qu'on t'a dit sur elle est vrai? C'est vrai, tout ce qu'on dit sur elle est vrai. C'est bien vrai, j'en suis très certaine. Imagine qu'une personne soit maltraitée dans sa propre famille. Et tu crois que c'est pour rien? Homo, cette fille est mystérieuse. Écoute, c'est à vérifier s'ils sont vraiment ses parents biologiques. Oui, ce sont ses parents biologiques. Elle est connue de tous dans ce village. C'est une paria. C'est tout le monde qui confirme qu'ils sont ses parents biologiques. Oui, ils sont bien ses parents. Tantine Zoba, si tu finis le commérage, rentre chez toi. Quant à moi, je m'en vais. N'importe quoi. Quitte-la. Attends-moi, non. Je refuse. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Attends-moi. Attends le feu. C'est quoi ça? Attends.